La crise sanitaire et la crise économique que nous connaissions déjà vont-elles avoir un impact important sur les recettes fiscales à venir? Et clairement, je pense que la question se pose d'une manière indubitable et on voit déjà de toute façon que le gouvernement prend des dispositions afin de faire payer la crise sanitaire aux salariés, aux travailleurs et pas aux tenants du capital, ce qui n'est pas réellement une surprise. Donc, évidemment, les allègements fiscaux, les remises diverses et variées vont venir impacter les recettes de l'État. Et puis, évidemment, comme toute crise, s'il y a une contraction de la consommation, si il y a un chômage important, il est évident que les recettes fiscales vont baisser. Donc, ce qui va être un véritable problème dès lors qu'on a des besoins de financement en matière de services publics qui sont importants et que la crise a montré à quel point ils étaient incontournables pour la nation. Cela risque d'être particulièrement le cas pour la TVA, par exemple. Effectivement, spécifiquement, cette baisse des recettes va cibler principalement le plus gros pourvoyeur de recettes fiscales, c'est-à-dire la TVA, qui représente environ 50% des recettes de l'État. Et c'est là où on se rend compte que nos craintes, par exemple en matière de financement des collectivités locales, pour lesquelles on va supprimer la taxe d'habitation et mettre à disposition une partie de la TVA, est dangereuse, puisqu'en cas de crise majeure, les collectivités qui sont pourtant un amortisseur extrêmement efficace et important des crises, on le voit à quel point elles sont en première ligne sur la crise du coronavirus, eh bien pourraient se voir privées d'une très grande partie de leurs recettes. Donc on se rend bien compte, rien que par cet exemple, que le système fiscal est profondément à réinventer, puisque il s'appuie sur des impôts, la TVA, qui sont injustes, puisqu'ils pèsent énormément sur les plus modestes, mais en plus de ça, c'est un impôt qui est extrêmement volatile et particulièrement percuté en cas de crise économique. Et il est extrêmement dangereux de s'appuyer massivement sur ce type d'imposition. Donc, cette crise montre aussi à quel point, eh bien, il y a un problème d'équilibrage en matière de recettes fiscales. Au moment où notre ministre fait appel à la charité, n'est-il pas d'une plus grande urgence de réformer la fiscalité en profondeur? Oui, ben là aussi, disons que ce n'est pas, c'est pas nouveau, mais c'est assez insupportable. Durant toute cette crise, on a mis en avant à la fois les applaudissements au balcon à 20h, et puis on a mis en avant les nombreux riches bienfaiteurs qui, eh bien, charitablement font des dons aux hôpitaux publics. On se rend bien compte que ce système est tout à fait insupportable et non seulement insupportable d'un point de vue philosophique et moral, mais il est surtout totalement inepte d'un point de vue économique, puisque on ne peut pas simplement appuyer une organisation collective sur la charité de quelques richissimes individus qui font partie de cette société. Donc il est évident que là aussi, on a un véritable problème dans le sens où les très très grandes fortunes ne sont pas suffisamment sollicitées par l'impôt. Et il est évident qu'il y a des tabous à faire sauter et cette crise doit aussi nous permettre à faire sauter ces tabous. Le premier tabou, c'est de dire, eh bien, qu'il ne faut pas évacuer d'un revers de main l'augmentation de la fiscalité d'un point de vue global. Et c'est exactement le sens inverse que prend le gouvernement. De deux, il faut expliquer que si on augmente la fiscalité, eh bien, il y aura davantage de gagnants que de perdants, entre guillemets, s'il doit y avoir des perdants, puisque même les plus riches ont à gagner à avoir un système de santé extrêmement performant qui leur permette de garder la vie. Ça me semble, même pour eux, quelque chose qui puisse être pertinent. Et enfin, ça doit nous permettre
de faire gagner quelque chose qui est essentiel, c'est le consentement à l'impôt. C'est-à-dire que l'ensemble de la société se dise, ben, on a une chance incroyable, c'est d'avoir des richesses, d'être une grande puissance économique, et de pouvoir mobiliser cette richesse pour en faire profiter l'ensemble de la population. Et je crois que l'opinion publique est peut-être davantage mûre grâce à la crise que nous vivons pour eh bien, transformer le système fiscal et en tous les cas se mobiliser pour exiger une transformation du partage des richesses. Car certes, il faut certainement réfléchir à produire autrement, à créer davantage de richesses, mais il faut aussi, sans conteste, eh bien, transformer d'une manière radicale notre système fiscal pour qu'il y ait une meilleure répartition des richesses. C'est tout à fait insupportable aujourd'hui, peut-être encore plus qu'hier, qu'il y ait une toute petite minorité de personnes qui ont dans leurs mains une majorité des richesses et qui devraient décider de l'avenir de l'ensemble de la société. C'est à la fois scandaleux d'un point de vue économique, mais même d'un point de vue démocratique. On se rend compte que c'est insupportable de se dire l'avenir de l'hôpital public, ça s'appuie, ça repose sur la volonté de quelques individus. Je pense que notre société doit refuser ce modèle et s'engager dans une nouvelle voie. Alors, ce système fiscal, comment le transformer? On se rend compte qu'il faut transformer d'une manière radicale le système fiscal. Il faut le transformer. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, puisque le système fiscal, il est injuste. Il est injuste parce que il y a une infime minorité qui a beaucoup de moyens et qui en fait contribue peu. Et puis, il est aussi inefficace puisque on se rend compte qu'on n'arrive pas à mobiliser suffisamment de recettes pour répondre aux besoins de notre société. Alors, il y a des solutions qui sont relativement simples. D'abord, c'est promouvoir ce qu'on appelle les impôts progressifs. C'est-à-dire, les impôts progressifs, ce sont les impôts les plus justes, puisque, comme l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le prévoit, ce sont des impôts qui permettent de faire contribuer davantage ceux qui ont le plus d'argent, c'est-à-dire le plus de moyens. Il s'agit notamment de l'impôt sur le revenu, ou de l'ISF qui a aujourd'hui disparu. Et donc, ces impôts sont extrêmement importants d'un point de vue théorique et d'un point de vue de la justice fiscale, puisque, comme je le disais, ils permettent de faire contribuer davantage ceux qui ont le plus de moyens. Mais en même temps, ce sont ceux qui ont été les plus attaqués, qui sont réduits comme peau de chagrin et qui pèsent en réalité très, très peu dans le paysage fiscal. Et à contrario, ceux qui pèsent le plus, ce sont les impôts dits proportionnels et indirects, comme la TVA. C'est-à-dire que la TVA, eh bien, qu'on ait énormément de revenus ou très peu de revenus, le taux ne va pas varier. Et qui plus est, cet impôt est complètement invisible, puisqu'il n'est pas indolore, puisqu'il n'est pas directement payé à l'État, mais il est récupéré par les entreprises, c'est-à-dire typiquement, lorsqu'on va faire ses courses au supermarché, eh bien, c'est l'enseigne de grande distribution qui va reverser ces sommes donc à l'État. Et le problème de ces impôts, eh bien, c'est que proportionnellement, eh bien, moins on a de moyens, plus on contribue. Donc, on se rend compte que ça, c'est particulièrement injuste. Le système fiscal français, il fait davantage contribuer ceux qui ont le moins de moyens que ceux qui ont le plus de moyens. Et ça, c'est aggravé par le fait que les revenus du capital sont moins taxés que les revenus du travail. Et là, même chose, évidemment, pas besoin d'être un grand économiste pour le deviner, mais ce sont les plus riches qui ont le plus de revenus du capital et les plus modestes qui ont plus de revenus du travail. Donc, on voit qu'ils sont doublement, triplement, quadruplement avantagés dans le système fiscal. C'est pour ça qu'il faut remettre tout ça à plat. Il faut remettre tout ça à plat et évidemment augmenter les impôts progressifs. Donc, augmenter l'impôt sur le revenu. Il faut davantage taxer le capital, comme les dividendes. Il faut
également, dans le même temps, baisser les impôts proportionnels, donc baisser la TVA et, par exemple, supprimer la TVA sur les produits de première nécessité. Mais il faut aussi agir sur le comportement, notamment des entreprises. Il ne s'agit pas simplement de dire on va taxer les dividendes pour réorienter l'économie vers l'augmentation des salaires, vers la création d'emplois. C'est pourquoi nous proposons que l'impôt sur les sociétés soit modulable. Plutôt que faire des chèques en blanc, comme c'est le cas aujourd'hui, aux entreprises en espérant qu'elles aient un comportement vertueux, eh bien, ce que l'on propose, c'est de regarder quel est le comportement de l'entreprise et de moduler son impôt en fonction de son comportement. Si elle verse massivement des dividendes, eh bien, on va augmenter son imposition. A contrario, si elle embauche, si elle augmente les salaires, si elle investit dans l'outil de production, si elle respecte l'environnement, eh bien, on va baisser son imposition. Donc, c'est ainsi qu'on va permettre à la fiscalité de modifier le système économique et le rendre plus efficace et en tous les cas le rendre au service des citoyens et du plus grand nombre. Ce qu'il faut également faire, c'est lutter contre la fraude fiscale et l'optimisation fiscale. D'un côté, l'optimisation, eh bien, c'est tous ces cadeaux qui sont faits et dont profitent souvent ceux qui ont beaucoup de moyens et qui sont bien informés. Il faut réduire d'une manière drastique l'optimisation. Mais il faut aussi lutter contre la fraude. 80 milliards d'euros qui s'évaporent comme ça chaque année et qui manquent pour financer tous les services publics dont nous avons tellement besoin et qui sont tellement vantés aujourd'hui par nos gouvernements. Eh bien, il faut que le gouvernement soit cohérent. Si ces services publics, si ces agents publics sont les héros de la nation, c'est un peu ce qu'on pense, et ils le sont, comme tous les travailleurs qui font vivre ce pays, eh bien, il faut aussi leur permettre de pouvoir œuvrer comme ils le doivent. Et donc, il faut lutter contre la fraude fiscale pour faire rentrer ces recettes qui s'évapore. Et là, il n'y a pas de miracle. Plutôt que supprimer des dizaines de milliers de postes dans les services de Bercy, eh bien, il faut faire l'inverse. Il faut créer des postes. Il faut réorienter le contrôle fiscal, le réarmer à la fois d'un point de vue législatif, mais surtout d'un point de vue humain pour lutter contre ces bandits, puisque ce ne sont que des bandits qui détournent donc l'argent public, notre argent, à des fins purement personnelles. Il faut mettre fin à ces braquages à répétition et donc permettre à l'État d'assumer pleinement son rôle. Donc voilà quelques éléments qui pourraient permettre de changer radicalement les choses et de réorienter la société en faveur du plus grand, enfin en tous les cas en faveur du plus grand nombre plutôt qu'en faveur d'une infime minorité de personnes qui sont en permanence chouchoutées.